Yo les refs, c'est Marco Bikendi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre et la miniature, je vais vous montrer comment avoir Neymar le plus cher dans le jeu. Et à la fin, vous allez voir comment l'entraîner pour qu'il puisse monter en chaîne rapidement. Juste avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner bien sûr avec la cloche de notification. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, ça me fait grave plaisir les gars. Et ça me soutient énormément. Merci à vous les gars. Vous êtes les boss. Et moi sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et bonne vidéo les gars. Ok, on est dans le jeu. La première chose à faire, je vais voir combien coûte le Neymar le plus cher. Du coup, je rentre dans le marché des transferts. Maintenant, je clique sur « Chercher » qui est juste en haut. Nom de joueur, je vais écrire « Neymar ». Voilà « Neymar ». Ensuite, dans « Note générale », pour la note « Mine », je vais mettre ça à 90. Et « Max », je vais laisser ça sur 150. Une fois que c'est fait, je clique sur « Chercher ». Comme vous pouvez le remarquer, il y a seulement deux Neymar à plus de 90 à deux « Général ». Moi, je préfère d'acheter le Neymar 94, ça coûte 137 millions. Si vous n'avez pas assez de crédit, je vais vous montrer comment gagner des millions rapidement. Vu que le jeu nous donne la possibilité de gagner des joueurs gratuitement dans les événements, ce qu'on doit faire, après, on peut mettre tous les joueurs que nous n'utilisons plus sur le marché des transferts. En fait, ça va nous rapporter des millions rapidement et on peut même échanger ces joueurs contre des crédits. C'est l'une des meilleures techniques pour gagner des millions rapidement dans le jeu. Par exemple, dans cet événement Joker Hiver, et je vais gagner pas mal de joueurs gratuitement. Vous devez tout simplement terminer des petites tâches afin de pouvoir gagner des jetons Joker Hiver. Et vous pouvez échanger ces jetons contre des joueurs. Ici, on me donne un joueur à 88 de général. Si j'ai de la chance, je peux gagner même des joueurs à plus de 90 de général. On me donne un joueur à 86. Son prix est 687 000 crédits, c'est pas mal. On peut même gagner des millions de crédits dans les événements. Par exemple, ici, on va me donner 2 millions de crédits. Puis, 2 jouets à 81 de général. Voilà. Ici, dans ce pack, je vais gagner un jouet plus de 85 gènes. Je vais même gagner un jouet à 95. Bon, pas mal, un jouet à 86 gènes. Et après, je vais vendre hein, tous ces joueurs. Comme ça, je vais gagner beaucoup de crédit. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais vite vendre quelques joueurs. Justement, pour vous montrer, on va se rendre dans le marché des transferts. Vu que j'ai déjà beaucoup de crédit dans le jeu, je ne vais pas vendre beaucoup de joueurs. Mais faites gaffe, les gars. Faut pas vendre les joueurs que vous utilisez dans votre équipe. Et là, si vous voyez, j'ai plus de 137 millions de crédits. Je crois que j'ai assez de crédits pour acheter le Neymar 94 de général. Du coup, rentrons à nouveau dans le marché des transferts. Je vais chercher à nouveau le Neymar. Et je clique sur « Chercher », nom de joueur Neymar. Note générale, mine 90. Et puis, max 150. Ok, c'est bon, je clique sur « Chercher ». Maintenant, je clique sur « Acheter ». Voici les prix pour Neymar. Plus faible valeur, 130 millions et plus forte valeur, 143 millions. Si vous voulez l'acheter avec la plus faible valeur, ça peut prendre des heures et même des jours pour qu'il vienne. Mais si vous voyez dans « Offre d'achat », on peut offrir 135 millions pour le Neymar. Du coup, je clique sur « Acheter », puis « Confirmer ». Il va vite venir, vous allez voir ça. Voilà, il est déjà venu. Je vais le récupérer dans mes commandes en appuyant sur récupérer tous les joueurs. Tac, voilà. Maintenant les gars, je vais le placer parmi les joueurs titulaires. Ensuite, je vais lui faire progresser rapidement. Pour l'instant, il a 94 gènes. Voilà le Neymar, il joue arrière gauche. Je dois le mettre ici, arrière gauche. Ok. Ok, c'est bon, je vais l'entraîner. Du coup, je clique dessus. Entraînement.
Pour l'instant, je dois le mettre à niveau 5. Après, ça va me demander de passer à l'étape progression. Voilà niveau 5. Donc, je rentre dans progression. Je vais utiliser ces deux Machirano pour lui faire monter de général. Du coup, j'appuie sur progression et il va monter à 95 de général. Voilà. On va me donner un point d'aptitude, ça va améliorer le jeu techniquement parlant. Maintenant, je vais utiliser l'autre Machirano pour lui faire monter à 96 de général. J'appuie sur progression, puis confirmer. Voilà 96 gènes, c'est vachement cool les gars, on me donne un autre point d'aptitude. Je vais l'utiliser, ok c'est bon, donc j'appuie sur confirmer, tac c'est fait. Voilà il est passé à 96 gènes, si je veux je peux lui faire monter à même plus que ça. Maintenant je vais l'entraîner justement pour mettre son niveau à 15, je rentre dans l'entraînement. Et là, je vais utiliser quelques joueurs juste pour faire monter son niveau. Ça va faire améliorer le Neymar techniquement parlant. Ok, c'est bon, niveau 15. Du coup, j'appuie sur entraîner. Et c'est hyper important, il faut toujours entraîner vos joueurs. Si vous regardez ici, vitesse, tir, passe, dribble, franchement pas mal. Maintenant, je vais vite changer le maillot de l'équipe. Je vais équiper le maillot de l'équipe Al-Hilal. Et Neymar, il joue dans ce club. Rentrons dans vestiaire. C'est ici qu'on peut changer le maillot de l'équipe. Je vais chercher le championnat Russian Saudi League. C'est le 28e championnat dans le jeu. Russian Saudi League, le 28e championnat dans le jeu. Voilà Russian Saudi League. Maintenant, je vais rechercher le club Al-Hilal. Ok, voilà Al-Hilal. J'appuie dessus. Ensuite, j'appuie sur choisir. Voilà, le maillot est équipé maintenant. Vous allez voir ça. Je sors d'ici. C'est trop stylé le maillot. Ici, on peut même changer le numéro de joueur. Je vais mettre le numéro 10 pour Neymar. Ok, je clique sur changer le numéro. Ok, c'est beaucoup mieux comme ça. Franchement, c'est vraiment stylé. Et en fait, le maillot de l'équipe Al-Hilal. Et pour l'instant, ma petite équipe est à 93 de général. Pas mal, les gars. Les gars, j'ai un groupe Discord. N'hésitez pas à rejoindre le groupe. Je mets le lien en description pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Comme ça, on va discuter et jouer ensemble dans le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait grave plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !